Oh, 66. À un chiffre près, j'avais Satan parmi nous. Il fait un bruit de rature apparemment. Bon, je change le casque, là, parce que là. Ouais, on va changer de casque. Bon. J'ai l'idée de me faire chier mes casques. Bon, là j'entends à peu près le son bien. Le micro réagit correctement au son de ma voix. Bon, c'est bon. Ça devrait être bon, là. Putain, mais j'en ai marre de vos pierres dures, j'ai que ça! Non, ta gueule. Ouais, comme d'hab, mais il reste quasiment jamais les Pokémon. Allez, Poustol, Poké. Les baies n'ont pas poussé. Est-ce que j'ai soigné mes Pokémon? Oui, apparemment c'est le cas. Bon. C'est parti pour la suite. Bon, toi, affiche-moi la map.
Papillon vs Migalos. Espérons pas le tuer d'un coup. Je suis con, j'ai déjà capturé. Salut Abby, comment vas-tu? Moi je vais très bien. Ça va très très bien. Je peux faire deux pas sans me faire aggro. Je demande ça comme ça. Hein. Ah, ça me dérange pas du tout, hein. Ah, ça me dérange pas du tout, hein. Ah, je te rassure tout de suite, hein. Ah, y'a aucun cas pour être dérangé par quelqu'un qui me suit souvent sur mes lives. Alors là, je pourrais jamais être dérangé par une personne comme ça. Jamais. Ce serait le comble. Si un streamer serait gêné par une personne qui vient le voir sur tous ses lives, ça serait le comble quand même. Quel est le but de streamer? Sinon. Ah non, mais oui, c'est là que tu auras une apparition de légendaire. À mon avis. Choc, si, tiens, tiens. Quel est d'accord. Choxy, est-ce que c'est plus puissant que... Bah non, Psycho c'est plus puissant. Bah je vais garder Psycho, hein. Ça sert à rien, Choxy. Psycho c'est plus puissant. Jamais si je me planque un morceau de T-Guard. Bon, je peux pas ouvrir les portes. Étonnamment, il n'y a pas de Pokémon sauvage qui t'aggro. C'est étonnant dans une zone. Voilà, je suis à la troisième île et je dois aller à la troisième épreuve. Sauf que j'étais un peu intrigué par ce lieu, donc j'ai fait un petit détour vers ces anciennes ruines.
Ah mais non, c'est signe de lune ça. C'est signe de Pokémon Lune. Ouais bah il y avait le signe de soleil juste avant. Ouais à mon avis c'est là que va spawn le légendaire. Ouais y a rien d'intéressant quoi. Ouais, un cul-de-sac qui sera plus tard utile, étant donné que c'est là qu'il y aura le légendaire. À tous les coups. Et... C'est signé à qui t'appelle. Ta boss de gare vient d'envoyer un signal, je sais tout, tu viens de voir une chose bizarre se faire aspirer dans la boîte un cœur de Ziga. C'est un démon d'ici pour rassembler Ziga. Les cœurs sont différents des cellules en ceux qu'ils se souviennent de certaines capacités. Utilise ta boîte pour les enseigner à Ziga. Fais un essai, tu verras. Ouais. J'ai pas Zygarde sur moi à l'heure actuelle, hein. Je suis trop naze en combat, c'est pour ça que je suis parti de la Team Skull. Quand t'es un Skull, personne te cherche des noises. Ouais. Personnellement, moi je te chercherai des noises. Mais bon, étant donné que je peux pas défier par moi-même des dresseurs, ce qui est dommage. Un repas de creek. Non, il pleut. Oh. Ah, que j'avais pas remarqué. Comme beaucoup de gens, on a fait la démo. Pas des thèmes qui traînent. Putain, y'a rien? Ah, si. À dire, mais merde, le jeu est radin. T'as la coupe qui se met en mode PLS aussi au passage. J'ai passé une journée de ouf aujourd'hui, pas une seule défaite, tu vois. Ouais bah c'est le moment de commencer par une défaite mec. Inch'Allah.
Tiens, je te l'ai dit que t'allais faire une défaite. Bon, je change entre deux chemins. Je vais faire celui-là. Direct optique. Et c'est parti, on remonte. Yo, je déteste le paillot, mais en même temps, je suis obligé de pailloter si je veux monter en grade dans l'organisation. Ah oui. Bah, lui, il a la force Z de type électrique, donc... la fulgurolance. Ah. Là, je vais pas pouvoir te la montrer, étant donné que... je suis face à un type appelé... Vu qu'il est des types sales, je peux pas utiliser la technique électrique. Ça servirait strictement à rien. Ah non, c'est un feu. C'est un feu. Mais là, je vais utiliser Psycho parce que c'est super efficace. Voilà. C'était pour y prendre des dégâts. Ici c'est paradis la type Skull et t'es pas invité. Parle à ma main. Rastery. Bon, on fait chier avec les Pokémon qui sont pas du type électrique là. Du type faible électrique. Ah bah si. C'est un type au poison donc. C'est le but en même temps. Sayonara. On passe dans une autre vie. Mimantis, ouais, on va changer hein. Mimantis. C'est un type insecte, mais à cause de la flotte, je vais faire moins de dégâts, donc on va prendre Papillusion. Quoique, je n'ai plus d'attaque tornade avec Papillusion, donc ça sert à rien en fait. Ah oui, mais j'ai Bourdon. Et c'est du type plante. C'est pas un insecte, mais c'est une plante, en plus. Bourdon a fait le taf.
Bon. Yo. Yo, Tomer, comment vas-tu? Bon, mes casques font chier à bugger. Toi, tu viens. Eh, moi, je suis de la Team Skull. Je suis aussi féroce qu'un Snubbull. Ah ouais, bah, si t'es aussi féroce qu'un Snubbull... Shoot dans le caniche. Tout ce que j'ai à dire. Ah, ratata. Je vais faire ma pute, grâce à changer clair. Là, je l'ai one shot. C'était pas prévu ça. C'était tellement pas prévu. Déjà le problème, je sais pas ce qu'il va m'envoyer dans la tronche maintenant. Je m'attendais pas à le one shot quoi. Avec un changer clair, j'ai one shot. Bon, c'est quand que tu chopes une meilleure technique de type P, toi, hein? Parce que 42 puissance, ça fait pas le taf. T'as trop de talent, c'est pour ça, lol. Bon, hein, je t'invoquerai plus pour battre les types ténèbres. Hein. Ton vent féerique est pas assez puissant pour faire une once de dégâts, quoi. Je connaissais pas cette expression pour nommer cette partie de l'anatomie. Je la connaissais pas. Ah, un objet. Mais vous me faites chier avec vos trucs muscle plus et tout le bordel. Ah non, je la connaissais pas. Avec un simple changer clair, il fait mal ce Pikachu quand même, ce Raichu du moins. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir des trucs. Non, c'était pas ça que je voulais faire, mais... Pokémon. Pikachu ou Raichu a moins de PV que Farfafulé. Ouais, c'est Mako qui bug un peu de temps en temps. Mako est pas très stable ce soir. Bon, là, elle est repassée dans le vert. Mais pour combien de temps? Ah, point d'espiègle, tiens. Le pas le tuer. Le pas le tuer. Ça va être très dur. Voilà, j'ai voulu être trop gentil.
ne pas le tuer. Ah bah non, je vais le tuer en plus. Ah bah oui, j'ai l'eau. En plus, j'ai la flotte. Ça augmente mes dégâts. Je suis con. J'aurais dû continuer avec mes techniques. Dites-moi que je peux fuir en paix. Ah, j'y suis un peu. Pas envie de me prendre une technique de type vol dans la tronche. Il aurait pas apprécié. Toi, je t'ai déjà chopé. Ah, quand c'est pas à vous battre sur le chat. Bon, mon tarambu, il l'a pris cher, là, avec face au ratata, hein. Costa, toi, tu veux rejoindre la Team Skull? Minute, papillon. C'est quoi, bling bling? Un bracelet d'aide? Tu fais ton tour des îles, cousin? Ah ah, elle est belle, celle-là. Figure-toi qu'on adore se payer la tête des gamins comme toi qui s'y croient, alors qu'ils puent la défaite. Ça tombe bien quand c'est juste à s'ennuyer, vilain, qu'on se paye ta tête. Ouais, on verra de qui paye la tête de qui. Un petit psy, un petit spectre poison. Bah actuellement il y a que deux personnes sur le chat donc thank you.
Bon, j'ai du soin à faire sur mes Pokémon là, il y en a deux d'empoisonnés. Je déteste les petits malins dans ton genre, ça se passera pas comme ça. Ça se passera comment? Hé hey, petit! Je sais pas d'où tu sors, mais je rentrerai pas là-dedans si j'étais toi, c'est dangereux, tu sais. Qui te savait qu'on compte à des scales d'ailleurs? T'es sûr de ton coup? Oui. Dans ce cas, suis-moi, tonton Dan a des affaires réglées avec les skulls, lui aussi. Et viens pas pleurer, si ça tourne mal. Remarque, si tu restes, peux-tu envoyer des fleurs à ta famille? Lol. Oula. Wesh, wesh, on a de la visite, on fait quoi, mec, on fait quoi? Zivar, arrête de flipper, tu vois pas qu'on est déjà s'occupé avec cette barricade? Grave. Allez, dégage. Tu vois bien que tu peux pas passer ici. Et si je vous éclate vos... te tronches? Les mecs, ça sert à quoi de faire une barricade s'il y a un trou juste dans la muraille de verdure juste derrière? Hein? Faut m'expliquer le principe de votre muraille s'il y a un trou ailleurs. Faudra que vous m'expliquiez le but. Je crois que vous et moi on n'a pas la même notion de muraille. Comment ils ont pas pu boucher un trou si voyons? Franchement les mecs. Mais comment t'as fait pour passer, truc de ouf? Tu vas regretter d'être venu ici. Merci, je l'avais vu le trou. Mais moi j'aime bien fouiller s'il n'y a pas des objets qui traînent, moi, tu vois. Oh, ami Miguel, qu'il est mignon. Je me fous à peine du mob de l'adversaire. Oh, qu'il est mignon. Qui est mort aussi au passage. Wesh, le regret, cette barricade qui est pas plus utile qu'une capacité de trompette. Pas besoin de barricade pour me protéger, à mon tour. Bon, pas besoin de changer de Pokémon. Pas plus, on fera le taf avec Psycho, hein. Attends, si Psycho n'a aucun effet, c'est un type poison de ténèbres? Bon, bah, va changer de Pokémon, hein. Si c'est un psy, si c'est un seul ténèbre, du moins un poison ténèbre. Ouais, c'est bien ça.
Vous pouvez me laisser me régène maintenant au poké? Ouh, sans barricade, je vaux pas trempette. Hey yo, ici c'est dangereux, barre-toi ou dis-nous ce que tu veux. C'est la flip ici, j'avoue, mais on représente envers et contre tout. En fait, on se tourne les pouces, en vrai on se la coule douce. Da spin. Donc cousin, écoute-nous bien, se taper dessus ça sert à rien. Tu t'incrues chez nous, ça se fait pas, mais on est sympa, on a un plan pour toi. Ici c'est un vieux centre Pokémon, comme y'a plus de jeu, y'a plus personne. Si tu veux le dit, Pokéfissa, ton équipe, t'inquiète, on la soignera. Ok. Pas cher pour 10 Poké. Tant que t'es pépette, on t'a la bonne. Fais pas ta filpette et aboule tes Pokémon. Ça coûte pas cher quoi quand même. Tes Pokémon pètent la forme. Et nous on est riches, c'est énorme. Riche avec 10 Poké dollars? Vous pouvez même pas vous acheter le moindre objet avec ça. Riche avec 10 Poké dollars. Ils sont fous ces gens. Ils sont fous. Riche avec 10 Poké dollars. C'est plus un... Vous avez même pas de cerveau à stade. Putain. Riche avec 10 Poké dollars. Non mais sérieux les gars. Là, je vais me faire double aggro si je vais là. Bon, de toute manière, j'irai me faire double aggro dans tous les cas, étant donné que j'aime bien les combats. Ah oui, mais je suis obligé de passer par le trou en fait. Ah, ah, ah. Parce qu'il y a une Pokéball qui traîne. C'est le seul moyen d'accès. Je suis meilleur que ma sœur et je compte bien te le prouver. Je suis meilleur que ma sœur et je compte bien te le prouver. Vous êtes jumelles, ça se voit. Vous répétez la même chose. Ben voilà, j'ai l'équipe parfaite pour combattre ce que j'ai en face de moi. Puis en plus, je prends 4 fois les dégâts type normal ténèbres. Vous êtes mort dans le chat? Poudre fureur, c'est quoi de ça? Ouais, mais non, ça sert à rien, ça. Non, 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 mais je veux pas la prendre. Dégage. Ah oh, mais la montée de taille qu'il a. Plus 3, plus 3, plus 4, plus 2, plus 2, plus 2. Je sais pas, mais d'avoir des putains d'IV mon bourrinos quand même. Vu la stat de montée qui se tape. Je me suis fait chier pour un super bonbon. Et 4000 Poké dollars.
1, 2, je te tabasse le punching ball. 3, 4, c'est toi le punching ball. Ouais, ou inversement. C'est toi qui vas finir en punching ball. Et en plus, on me filait des pépettes. Qu'est-ce que tu vas m'invoquer? Un Mimantis. Oh, jolie petite plante. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti mon chat. Étant donné que j'ai un boost de capacité type eau et qu'en face être un type feu poison. Mais il rapporte rien en XP vos Pokémon, putain. Mais fuck! C'est quoi ces mecs totalement useless niveau XP? Moi, la chance, ça fait deux, donc je mettrai jamais ce genre de capacité. Vous faites tous ouche ouche donc. Bon bah le chat est officiellement mort. RIP le chat. Ah si elle veut faire un combat. C'est quoi ce truc? Tu n'en es pas à moindre idée. Et je ne saurais pas ce que c'est. Je les one shot. Oh, je saurais c'est quoi à peu près lors du prochain affrontement. Manoir chelou. Ouais, colonne d'outiste.
Oh, j'étais un gros loser. La type qu'elle a fait de moi une terreur. Ouais, la terreur des bacs à sable. Rano, c'est rapti. Minable. Allons voir mon bourrin de service. Loser un jour, loser toujours. Yo, la truite va goûter au gros pain de mes Pokémon. Je préfère goûter à d'autres gros pains perso. Quoique tu ressembles plus à une planche à pas, donc y a pas trop moyen que ça arrive. Mais il est cheaté en vitesse ce Raichu, la vache! Tu es en train de mes Pokémon le plus rapide de ma team. On va même regarder ça tout de suite. Vitesse 44, 69. 108. Ah non, c'est pas le plus rapide. Étonnamment, le plus rapide, c'est lui. Bon, en même temps, il a 10% de vitesse en plus grâce à sa nature. Mais il perd de l'attaque spé, ce qui est un peu con quand même. Pour un Pokémon basé sur attaque spé, quand même. Ok, les mecs, ils laissent une info avec leur mot de passe, comme ça, au sol. Bon, bah, je suis allé dans le bon, dans le bon endroit, déjà. Bah, ouais, sans le vouloir. Ah, tiens, le chat est ressuscité. Ouais.
Lui, il pourra pas faire grand chose. C'est un type au poison. Eau et poison. Au poison. Lui, il a la WBS. Lui, il peut massacrer le poison. Il peut massacrer le type plante. Non, le type eau, non. Même pas lui. Il risque de prendre cher s'il y va avec des techniques de type eau. Bon, on va quand même prendre lui. Bon bah, ça sent au soignage de Pokémon, ça, hein. Viens là, mon petit. Voilà, c'est mieux. J'ai une New 3DS XL et j'ai une Nintendo 3DS XL. J'en ai deux. Et là, c'est avec laquelle je stream, c'est ma New Nintendo 3DS XL. Ouh, un rappel max, ouh. Bah ouais, c'est pour pouvoir faire, étant donné qu'avec la banque Pokémon, tu ne peux pas échanger, tu ne peux pas transférer d'items, donc je peux pas faire évoluer les Pokémon, qu'il faut échanger en leur faisant porter un item. Donc fallait que j'ai une autre 3DS pour pouvoir me faire des échanges, pour pouvoir compléter le Pokédex, un jour. J'ai trouvé deux mots de passe. Baston, chocolat, Skitty. Le manoir est plus grand que ce que j'avais prévu. Ah, Bomber, ça peut être intéressant. Non, pas personne peut l'apprendre. Oh, tiens, mon insecte, il peut l'apprendre, direct toxique. Est-ce que ça intéresse au moins de lui faire apprendre? Bon, il a plus d'attaque, faudrait que je me sépare d'une technique. Maintenant que j'ai vampirisme, je peux peut-être abandonner un ou hydro. Ce Pokémon a une attaque de merde, mais il a de bonnes défenses. Mais j'hallucine. C'est mon débardeur Skull que tu portes là. Ah, je me dis aussi, il a une odeur chelou. C'est pas ma faute. Ils ont tous le même motif. Eh ben vas-y, dis que je fouette tant que t'y es. Salut les Toyotes. Et salut de la France, alors. Tu ressembles à un sac avec. Rends-le-moi que je mette mon nom sur l'étiquette. Ça t'en sera quoi d'écrire sbire dessus? Je te rappelle qu'on est tous des sbires. Et toi là, d'où tu nous espionnes? Mais pas tu respectes notre intimité, ça mérite une correction. Nous venons d'assister à la conversation la plus utile de tous les jeux Pokémon.
Aïe, en plus il se paye un coup critique le bâtard. Oh la loose! C'est pas pour rien qu'on ait que des sbires. Ah ouais, quand même! C'est pas parce que t'avais ton débarras de skull, t'inquiète, je vais se venger. Comme jeu 3DS que j'ai... Ça m'oblige à fouiller dans mes tiroirs, ça. Je finis mon combat, puis je vais te répondre. Bon bah je vais me remplir avec toi hein. Sauf si t'es effrayé. Ah bah non. Je suis one shot. Ok. Bon ça c'est fait. Borinos, à toi de jouer. Bourrez-nous la gueule à coup de balayette. Car faut faire le ménage un peu de temps en temps. J'ai pas pu faire ce que je voulais. Ton débarras de skull est trop serré. Wesh. Oh, l'excuse à deux rubis. Bah, normal, le mec est type ténèbre normal. Donc, c'est pas trop dur. Alors, ce que j'ai comme jeu sur des 3DS. Alors. Ouvre-toi, joli tiroir. Alors, j'ai été attiré de Final Fantasy Curtain Tail, j'ai Fire Emblem Awakening, j'ai Fire Emblem Fate Héritage Conquête et Salut Ayoub, Conquête et Révélation, j'ai Zelda Ocarina of Time, Zelda Majora's Mask, j'ai Bravely Default et Bravely Second, j'ai Pokémon X, j'ai Pokémon Ruby, et j'ai Pokémon Soleil. J'ai Zelda Triforce Hero, j'ai Hyrule Warrior Legend, j'ai Final Fantasy Explorer, et j'ai Super Smash Bros 3DS. Et c'est pas fini en fait. J'ai A Link Between Worlds. Et voilà, là c'est fini. Voilà, j'ai répondu à ta question. Bon. Faut que je ressuscite mon mort. Yo, tu m'invites dans... Tu t'invites dans ma chambre pépère. Tu sais... Tu serais pas un gros sans-gêne, des fois? Oh, une réplique intelligente. En même temps, dans tout RPG, nous sommes sans-gêne, étant donné que pour récupérer des items, faut rentrer chez les gens en mode... Bonjour, je fouille vos placards. Voir s'il n'y a pas un truc intéressant à piquer. Salut.
samouraï, il y a combien de mots de passe dans cette zone? Hey, t'es pas sur les invités, toi? Non, mais j'adore m'inviter chez les gens. C'est une grande passion avec les RPG. J'adore m'incruster à l'improviste chez les gens. J'ai toujours pas compris, t'étais quoi comme bestiole, toi? Bon, si l'eau est pas très efficace, tu peux être donc un type O. Tu es donc un type O. C'est juste de déterminer c'est quoi son type. Ouais, t'es un type O, mais j'arrive pas à deviner c'est quoi ton autre type. Le seul personnage qui est super efficace contre toi, c'est Raichu. Wow, au pire, je change pas de Pokémon, j'ai Bourdon avec lui. Je vais te filer le Bourdon, mec, hein. Oh! Un survivant. Yo, Minus, si tu veux voir le boss, balance d'abord les 3 mots de passe, wesh. Non. Hé, hey, c'est bien, t'as chopé le Steel Skull. Samouraï. C'est ton dernier mot, cousin? Oui. Bon, j'ai dû louper un mot de passe quelque part. Bon, rien. Je me souviens de Samouraï, je me souviens de Shukasukichi, mais le dernier, je me souviens pas c'était lequel. Putain, mais comment on passe? Il dit que j'ai les bons mots de passe, mais il veut pas me laisser rentrer.
Ok, il fallait que je réponde non, d'avoir les bons mots de passe à répondre. D'accord, ok. Salut Star, comment vas-tu? Comment c'est trop romantique, pas ici, t'es pas d'accord? Bon, bah on se bat alors? J'en ai rien à foutre, je sais ce que je veux. Ça fait mal depuis qu'ils ont poussé à tester ce vampirisme. Résiste, connard. Bon, refou Raichu, il va attaquer en premier, donc. Ouais. Normal d'être envahi par une bande de vauriens. Place au boss que tout le monde déteste, celui qui adore éclater des têtes. Bling bling et sa peau de marque, c'est Kusma qui débarque. Tiens tiens, regarde qui est là, on voit une bonne surprise. Tu dois vraiment aimer la douleur pour venir te jeter dans la gueule de Kusma. Rends-moi ma glouton. Mon glouton, ah c'est vrai qu'on avait un marché. Et donc tu es venu tout seul comme un petit poncho. Pouf, t'es pas comme tes fils, plus tu te sens obligé de te toucher aux nôtres, c'est ça? Enfin, peu importe, tant que je peux me servir de toi comme un sac de frappe. Tu sais ce que je fais à ma sono quand elle tombe en panne? Je dois t'atteindre jusqu'à ce qu'elle remarche, c'est ça la réparation de la Kusma. Sauf qu'au final, elle finit en miettes, hé. C'est la métaphore de ce que je vais te faire, tu piges? Métaphore, pas métamorphe, métaphore.
Justement, je me demandais c'était quoi son double type. Insecte haut. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eu au monde. D'accord, bâtard. Je suis censé résister aux techniques là, mais bon. D'ailleurs, fallait un Pokémon pour que je puisse passer Red Shoe facilement. J'espère qu'il sera plus rapide que l'adversaire. Eh non, il était plus lent. De quoi abuser? Bon, lui, c'est sûr, il va se faire devancer niveau attaque, mais bon. Ok, bon. Je suis clairement dans la merde, là. Si j'ai pas un Pokémon assez rapide pour le devancer... Vu comment il a fait monter sa stat d'attaque... Bon, on va faire rester Pikachu, on va l'achever avec Pikachu, hein. Ouais, ce putain, il a cran, donc à chaque fois qu'il bute un Pokémon, l'attaque monte. Puis étant donné que la plupart de mes Pokémon sont super lents dans ma team, il n'y a que Pikachu et Farfa du V qui ont un minimum de vitesse. Ah, Guzma, qu'est-ce que tu fais? T'assures pas, là. Toi, là, vas-y, rends-lui le Pokémon. La vache, il a une tonne de Crystal Z derrière lui. Toi, un jour ou l'autre, je te ferai ta fête, même si pour ça, il me faut de l'aide. Je peux piquer des Crystal Z qu'il y a dans ce coffre? Oui, je peux. Tue-moi, beau. J'ai oublié de ressusciter ma team. Mais t'es pas le boss, toi. C'est quoi le délire, là, wesh? Oh, boss.
Ah, ils ont tous fui maintenant. Ouais, bah son Migalos m'a donné du fil à retordre. Hein. Quand même, je vais pas être méchant, mais... Il au moins se mérite, hein. Bon, en même temps, j'ai une team assez lente. C'est pour ça qu'il m'a massacré. Tu peux me dire d'où il sort, celui-là? Pour venir ce que là, un vieux grasseux comme moi, il devait vraiment avoir la trouille. Puf, quelle galère! Laisse-moi deviner, tu fais le tour des îles, c'est ça? Fais voir tes Pokémon, je vais soigner en échange, promets-moi de ne pas chercher de noix à des foufous de la Team Skull, d'accord? Trop tard! En parlant de la Team Skull, je trouve qu'on n'en croise pas beaucoup depuis tout à l'heure. Bah, ils ont dû détailler dès qu'ils ont vu leur boss prendre une rouste. Tonton Dan! Ouh! J'ai déjà des oreilles qui sifflent! Oh, mon pauvre chou, t'as dû avoir si peur. Pardonne-moi de t'avoir laissé. Pardon, pardon. Bon alors, je te remercierai jamais assez pour ton aide. Et toi, ton nom Dan? En tant que policier, c'est ton devoir d'empêcher la Team Skull de nuire. Qu'est-ce que tu fais ici, si tu ne comptais pas les arrêter? J'ai regardé les maisons. Les loyers sont bon marché dans le coin, c'est pas incroyable. Enfin, faut supporter la Team Skull juste à côté, quoi. Tu voulais soigner toi-même les Pokémon de la Team Skull avait blessé, c'est ça? Or, que tu pourrais les confier à la Fondation Ether. Vraiment, tu es incorrigible. Allez, viens, Gouglou, rentrons au foyer Ether. Bon, tournons Dan, on rediscutera plus tard. Mais je veux juste qu'on fiche la paix, moi! Retrouve-nous au foyer Ether quand tu auras fini, hein? Allô à toi! Allô là, du moins. Entre les Pokémon enfermés dans leur Pokéball et la Sukal enfermée dans leur planque, je me demande qui sont les plus heureux. Ma de flemme. On est en retrait, on a récupéré mon glouton. Eh bien, pourquoi tu fais cette tête? Boléro, désolé, mais l'heure n'est plus à la rigolade. Il s'est passé quelque chose? M'en fous, moi je dis Ether. Voilà. C'est Lily. Elle s'est fait enlever. Comment osez-vous? Bon alors, tu vas pas te faire la malle comme la dernière fois? Je suis déçu, moi qui te prenais pour la reine des dégonflés. La dernière fois que je me suis retrouvé en danger, Doudou a voulu me protéger. C'est pour ça qu'il était sans pouvoir, au péril de sa vie. Je suis peut-être pas capable de grand chose, mais je me suis promis de ne plus jamais le forcer à laisser son pouvoir. Et c'est pour ça que je ne flancherai pas face à des voyous comme vous. Oh là, tu crois que t'es pas dans la mouise peut-être? Redescends ton petit nuage. Une princesse. On se calme, de toute façon, elle n'a plus rien qui puisse nous intéresser. Et puis, il y a un truc qui cloche. On m'a dit que t'étais une voleuse de Pokémon. Mais t'as pas vraiment la tête du métier. Tchou. Va falloir que je tire ça au clair. Je viendrai avec vous, si c'est ce que vous voulez. Encore un fan de Lily. Je sais pas ce que vous lui trouvez, perso. En échange, je vous en prie, ne faites de mal à personne.
pendant que Margie n'était pas, l'autre fille à Pocine, elle est revenue. C'est vrai? Je reviens toujours pas. Je suis censé être dresseur et pourtant, c'est Lily qui m'a approché alors qu'elle ne sait même pas servir d'une Pokéball. Impossible, pendant tout ce temps, c'était Lily qui avait Cosmog. Hein? Tu connais Lily? On ne peut vraiment pas compter sur vous à cause de vous, Lily et Cosmog. Trah! Tu es faire un malheur! La survie. En plus, coup critique. J'aurais pas aimé, il avait dû prendre tellement cher. Type 0, ah putain, je sais plus c'est quoi son type. Bon, par défaut, on va prendre un Monster Hunter. Ah, naturalité, c'est funny. Je l'ai même pas effrayé une seule fois. Monter l'amitié de son Pokémon, ça peut aider de temps en temps à survivre avec un PV. Le problème, c'est un type glace, insecte. Glace, insecte... Et glace. Ah bah glace aime pas le combat. Et l'acier. Donc voilà. Bon, le sol aime pas la glace, mais bon. Je pouvais pas laisser mon farfar furer. Bon, on fait de l'inferno, donc... Voilà. Pardon, ce combat a été des plus futiles. J'aurais dû me contrôler. Merci Ayoub. Mais je me tue à vous le dire, bon sang. Comment ça se met à destination à Alola? Je dois le retrouver. Il faut aller à l'embarcadère. Toi là, tu viens avec moi, ok? Oui. Bien, allons-y. Piouf. Ton pote là, Tilly, on devra l'attendre, non? Oh, il nous rattrapera. Ok, c'est un secret numéro, ce Tilly. Quand je pense qu'il veut défier Dolandil, son propre grand-père tant respecté, je crois que même moi, je n'oserais jamais faire une chose pareille. Dan, qu'est-ce que tu fais là? Cocoyo est déjà tombé aux mains de la Tuscale, il n'y a plus rien à faire, du coup, je suis au chômage technique. Hé, petit, je voulais te dire, c'est moi le doyen de la...
Bref, cette durée de tâter ton nom d'un en combat, pour l'expérience, tout ça, ça serait-il si tu donnes le raid de Tour des Îles? Pas de problème. T'inquiète, je vais y aller mollo. Et tu me soignes pas? Oh putain. Le mec il m'a même pas soigné, fuck. Ah si, ok, je suis soigné, ok, d'accord. J'ai rien dit, je suis full vie. Tenefit, ça a gagné un nouveau type entre-temps? Parce que normalement, Tenefit, c'est un type ténèbre. Normalement, plus croix doit être super efficace. Il a gagné un nouveau type, Tenefix? Bah, je suis pas au courant. Si c'est le cas. Ah, il est devenu ténèbre. Ouh, rayon gemme. J'ai pas apprécié. Ah bon? Ah moi je suis du type ténèbre, spectre ténèbre, la rayon gemme qui est donc délique roche, qui donc va faire chier Fée l'Inferno. Ce qui va donc faire chier Papillusion. Bon on va prendre Bourrinos alors. Ah, je connais pas tous les Pokémon par cœur, hein. J'ai autre chose à foutre que retenir tous les Pokémon par cœur, hein. Non, sérieux? Il a résisté? Ouais, mais mon Pokémon de type fée fait pas beaucoup de dégâts. Kari, j'ai qu'une attaque à 40 de puissance. C'est assez emmerdant. J'ai toujours pas trouvé mieux, il a toujours pas appris mieux, ça me fait chier en fait. T'inquiète, je connais ce Croco, mais il me fait chier d'avoir de m'être rendu confus. Ah tiens, c'est passé. Étonnant. Vu qu'il venait de booster mon attaque. Dommage, ça l'a pas one shot. Je vais me faire toucher par Confus aussi, bingo. Bon bah je suis mort, hein. J'ai pas de chance. Ok, bah merci d'être passé. Bi, je te dis bonne nuit, à la prochaine. Ah non, j'ai survécu. Bon, est-ce que je vais le tuer ou pas? Oh oui. Ouais.
Black Hole. S'il me sort un coup critique, j'ai pas de chance. Oh, il est super résistant. Ah, sérieux? Ah, fait chier. Oh, il est super résistant. Oh putain, le coup critique, fils de pute. Oh bien sûr, il fallait qu'il ait un rayon gemme. Je sais très bien qu'il est ténèbre. C'est bien pour ça que j'ai utilisé les techniques de combat contre lui. C'est pas pour rien que j'ai pris mon Pokémon de type qui avait une technique combat. Bon, apparemment, il est très résistant sur le plan physique, donc. Quoi, il dépasse mon Red Shoe en vitesse? T'es sérieux, le jeu? Allez, 4 fois les dégâts, au revoir, putain. Si tu me dis qu'il est plus rapide que mon Farfa du V, alors là je pète un plomb. Ah non, il est pas plus rapide. Oh putain! Farfa Duvet, il est bien comme type plante fée, mais il a pas de bonne technique fée, c'est ça qui me fait chier sur ce Pokémon. En quoi, Game Over? Où t'as vu le Game Over? Purée! Après tous tes exploits au manoir chelou, je savais que tu allais assurer. Mais à ce point, en tout cas, les Pokémon se sont bien dessus. Laisse-moi les soigner. Ouais, ils en ont bien besoin. T'as juste signé toute ma team. Allez, prends ça. Et me remercie pas. Ah, c'est souvent comme ça avec moi contre... C'est souvent comme ça avec moi avec... Que ce soit avec les Pokémon dominants ou avec les grandes épreuves, souvent je finis au fil du rasoir. Oh, Imundo, voilà, tu as fini toutes tes épreuves de la vie, t'es content? Je t'emmerde. Qu'est-ce que tu veux encore là, les filles? Et vas-y, Bolo, tu feras pas de vélo. Quant à toi, Julo, tu es devenu fort, non? Pourquoi tu traînes avec la Tipscale, alors, franchement? Bolero!
Si tu prononces encore les mots, c'est trop bien, je t'étouffe. Je m'en veux, si seulement j'étais plus fort, Lily serait encore avec nous. Alors je fais contre mauvaise fortune. Oula, attends. Alors je fais contre mauvaise fortune mon cœur et je garde le sourire. C'est français cette phrase ? Est-ce qu'ils ont amené Lily d'ailleurs ? Ça peut être à Kokoyo, Bolero y était. Tiens, malgré tes airs d'imbécile heureux, tu n'es pas complètement idiot. En fait, ils l'ont mené au paradis éther. Au paradis éther ? Oh, il a un beau yacht. Bon, on y arrive ici en un seul morceau, c'est déjà pas mal. Par contre, j'aimerais précisément garder l'œil ouvert. Pourquoi tu penses que Lily est au paradis éther? Je t'en pose des questions. Rah, il m'énerve. Bon, on fait quoi? On la cherche. Commençons par prendre l'ascenseur, on avisera ensuite. Mais il est fou, il n'a aucun plan, rien. Il débarque comme ça avec des Pokéballs, mais il n'a aucun plan. Je suis vraiment en mode cowboy, j'ai tarté tout le monde. Ils ont quoi comme type de Pokémon? Type sol? Sol, acier. Bon, on va changer vite fait de Pokémon, hein. Colimucus, ça, ça pue le type poison. Ou juste le type dragon. Oh putain, elle a réussi à me paralyser. Pourquoi je m'y attendais? Bon bah j'ai pas d'autres items, allez hop, super potion.
Je sais pas ce qu'ils ont avec les poches, mais ils sont blindés de poches. J'ai une flemme et j'ai une flemme agite aiguë de changer de Pokémon là en fait. Bon, en fait, j'ai pas le choix en fait de changer de Pokémon. Bon, bah, je rechange un nouveau de Pokémon. Luminéon, ça me dit quelque chose. Ce serait pas du type foudre à ciel, Pokémon là? Je suis pas sûr de ce que je raconte. Ah non, là je suis complètement gouré. Type oh ouais bon, on va changer vite fait. Ah, va refoutre mon Pokémon plante, hein. C'est plus prudent. Enfin, tu sais, quand je connais pas le Pokémon, je me fie au nom, quoi. Lumineon, Lumi, je pense à électrique. Donc voilà, quoi. Ouais, c'est un bon sac à PV quand même. Ah oui, ouais, ça peut être intéressant. Comme ça, si jamais on place un type... plante dessus, demi-tour. En plus, il fait des bons dégâts à cause de la faiblesse. Puis en plus, tu peux changer de Pokémon. Plutôt utile sur un type haut demi-tour. J'ai même pas envie de lire les dialogues de la team Ether. Parce que c'est pas drôle. Faire la voix des racailles de la cité, c'était marrant avec la team Skull. Mais pour la team Ether, c'est pas marrant. Dracos. Oh, forfait du V direct dès le début, t'as pas de chance, mec. Lui, j'utilise Vampigraine parce que Vampigraine fait souvent le taf avec lui. Parce que Vampigraine a le chic pour achever les Pokémon. Étant donné qu'il manque cruellement de puissance d'attaque. Et en plus, il fait mâchouille. Je résiste à mâchouille, mec. J'adore ce Pokémon, mais si seulement il avait une technique faite plus puissante. Ça, c'est un type vol. Étant donné que je l'avais à un moment. Alors là, je vais pas me faire chier, hein. Ouais. Bon, en fait, il fait le café du moment que j'arrive à poser un Vampigraine, il fait à peu près le café. Vampigraine, en général,
Si je le place sur un mot Pokémon, le Pokémon fait pas ses dégâts, donc Vampigraine me régénère largement assez. Et puis, je peux y aller petit à petit. Mais il ferait encore mieux le café s'il avait une meilleure technique de type fée. Alors là, il deviendrait cheaté. Parce que franchement, sur le type fée, il tape pas fort, quoi. 40 de puissance... À ce stade du jeu, avoir des techniques de 40 de puissance, ça me fait un peu chier. Moi, je cherche des items. Genre des 16 de type fée. Par exemple, du moins des 7 et du type fée. Dommage, j'avais espéré une CT. Ouais, allez, une technique de type fée. Non. Ah bon? Mais j'aime pas les types normal vol, parce que face à un type combat, ils prennent des dégâts normaux. Ils résistent pas aux techniques combat. C'est pour ça que j'ai pas d'illusion. C'est pour pouvoir résister au type combat que j'ai pris Papillusion à cause de son type vol. Et vu qu'il est insecte, il a pu apprendre Psycho, beaucoup plus puissante que Tornade. Bah tiens. Ouais, c'est un type combat, on va laisser faire ça du V. On va poser mon petit Vampigraine, comme d'hab. En mode pute. Et c'est ça un coup critique. Oh, il a esquivé. Oh, oh. GG, mon petit. Non, tu veux pas prendre une autre titille de type fée, s'il te plaît. S'il te plaît. Je crois que j'ai laissé Farfa du V tout le temps au début de ma team, étant donné que je tombe que sur des types où il est puissant et résistant surtout. Dragon, combat, insecte. Ouais, non, là je vais changer de Pokémon. Merci, je sais quand même par insecte, hein. Je connais assez bien la première G, hein. Vibranif, ça serait pas un type dragon sol? Ou un insecte sol? C'est un insecte sol, Vibranif. Normalement. Ou dragon, je sais plus. Je sais plus c'est quoi ton type à toi. Dragon, bonne mémoire. Bon, ça, lui, il a pas un seul dragon. J'étais plus sûr, je savais qu'il était seul, mais je savais plus si c'était insecte ou dragon.
J'hésitais entre les deux. Go drive, c'est pas un type spectre vol ça? Si, c'est bien, c'est qui je pensais. Ouais, c'est pour ça que j'avais un doute. Tu fais quoi? L'accès au sol a l'air réservé aux personnes autorisées. Je m'y attendais un peu, mais quand même. Pas le choix, allons à l'étage. Si un casseur nom à retenir au sein de la Fondation Ether, c'est celui du directeur de la branche d'Alola. Autrement dit, le mien, Soborn. Bref, pourquoi reviens-tu ici? Et ce, sans invitation? C'est très bien ce qui m'amène, Soborn. Tu sembles bien informé, mais je n'ai aucun commentaire à te faire. Tu me connais, mon cher Gladio. J'aime avoir mes petits secrets. Bolero, en combat Pokémon, tout le monde est sur le pied d'égalité, quel que soit son âge. Ah, vraiment? Je suis le pilier du paradis Ether, et tu veux que je m'abaisse à affronter des enfants? Je préfère me les faire. Après tout, pourquoi pas? Il n'y a qu'un seul Pokémon. T'as pas de chance, mec. T'as pas de chance. Bon, faut juste voir s'il va résister. Dans le cul, connard. Si je m'y attendais à Hypnos tellement. Eh tiens, bouffe ça, connard. Bon, deux coups de bourdon et il est mort. Il va me faire chier, ce mec. Mais il va tellement me faire chier. Je déteste les mecs qui jouent avec Hypnos. Ça, c'est... Je déteste tellement ça. Tu te régèneras pas avec Cauchemar, connard. Ah. Entrave. Ok, bâtard. Merci d'esquiver un minimum. Putain, je courais. C'était Ballon que je voulais utiliser, moi. Oh, le con. Je suis gouré technique. J'utilise la technique poison au lieu de la technique balombre. Oh putain. Mais crève, connard. Ouais, je sais. Mais j'ai fait un misclic. J'ai fait un putain de misclic. Mais il manque... Oh, enfin, il décide de m'attaquer.
Bon, maintenant tu crèves, merci. Non! Sérieux, il est pas mort? Attends. Malheur, j'ai perdu face à un simple enfant. Bon alors, t'es très fort, t'as réussi à battre Sobone, waouh. Sobone, quelqu'un d'aussi fidèle que toi doit savoir exactement ce qui m'amène ici. Ouais, les épreuves de la vie ont fait de toi un jeune homme bien impudent. Vous êtes là pour Cosmog, je me trompe dans ce cas. Faut bien jeter un œil au sous-sol, mais je vous garantis rien. Au sous-sol? Ah oui, Madame Vicky en parlait, elle disait que la sucousse venait probablement d'en bas. Faites quoi dans le sous-sol, dites? Je ne sais que ce qu'on veut bien me dire. J'ai entendu parler d'expériences sur les brèches spatiales. C'est bon, on n'a pas le temps de taper à discute. On pourrait passer à la suite. Toujours aussi impatient à ce que je vois. Bien, je suis un directeur magnanime. Je vais donc vous aider. Bon, les Rotili, on descend quand vous êtes prêts. Alors, tu es prêt? Non. Laisse-moi visiter le coin s'il n'y a pas des trucs qui traînent. Tiens, en plus, elle me soigne. Bon, il n'y a rien d'autre. Moi, je me barre sans eux. En mode j'en foutis au total. Ah mais non, mais c'est... Ok, le moyen est... Ok, je croyais que le moyen c'était tout seul, mais non. Oui, je suis prêt. Allons-y. Rien n'a changé ici, dire que ça fait 2 ans. Ouais, on dirait de bas secret, trop bien. Tu peux pas rester concentré 2 minutes? Enfin, c'est toujours mieux que d'être mort de trouille, je suppose. Bon, on fait quoi? Il y a 2 labos, je vais prendre le premier, le labo secret A. Occupez-vous du labo secret B. Et pourquoi c'est toi qui décide? Et puis d'abord, comment tu sais tout ça? J'ai raté derrière, on lui posait des questions inutiles. Ce four de ce bois a déjà dû prévenir les autres de notre arrivée. Oh là là, il m'a même pas répondu, en fait il a la trouille, c'est ça? Gladio, à la trouille. Tiens, bon, alors on prend ça. Oh, un rappel max. Il est en danger, il faut qu'on secoue les carapuces. Ouais, t'inquiète, moi là-dessus j'ai aucun problème pour me secouer. Intrus, protégez le labo secret. Gros tas de morts. Je doute qu'avec Zico j'arrive à le one shot. Eh ben surtout que je peux pas en fait. Tant de lignes qu'il a gagné le type ténèbre, ce con. Aïe, ça fait mal. On parlait que je me loupe? Ça, c'est pas bon.
Bon, je l'ai one shot. Ça passe. L'amélioration de gameplay aussi, c'est que j'ai pas besoin de reconfirmer quand je veux pas apprendre une technique. Ça, c'est pratique. Bon, apparemment là ils me laissent pas le choix, c'est du Tseburino ça. Déjà de base j'ai pas beaucoup de défense P. Le lumino-canon qui a fait tellement mal. À cause de la baisse de défense P. Si j'avais su, j'aurais directement utilisé ma gemme Z. Bon. Ouais, mais il y a 90% de chance qu'il ait lévitation, donc non. Tu vois, j'ai pas envie. Je suis sûr qu'il a lévitation, le mec. Je suis quasiment sûr qu'il aura lévitation, donc... Et au pire, il aurait eu fermeté. S'il avait pas eu lévitation, il aurait eu fermeté. Donc, dans tous les cas, je l'aurais pas one-shot. Donc, ça aurait revenu au même. Qu'il ait ou pas lévitation, dans tous les cas, j'aurais pas pu le one shot. Donc, bon, avec les bourdons, j'arrive à faire des dégâts à peu près puissants. T'as loupé ton timing, toi.
Attends. Eh hey, merde, j'ai vu un truc. Il y avait un morceau de cigare. J'avais pas vu. Oh ah ah ah, la doublette. Du moment que c'est pas le mien que tu prends les dégâts. J'ai la flemme de lire là en fait. C'est ce rapport dit vrai, alors comment se réunir une chimère? Faut qu'on y aille Gladio aussi vite. Vous avez trouvé quelque chose? Ouais, on a appris un truc sur Cosmog. Ah, si j'ai bien compris, déjà, c'est vraiment une ultra chimère. Et quand il est en stress, c'est pour ouvrir une ultra brèche, genre, pour s'échapper. Quand il est en stress, quand il a peur, ou qu'il a mal, tu veux dire? C'est pour pourquoi Lise s'enfuit avec lui. Par contre, on l'a vu nulle part. Ça m'aide pas, je parie que Sorbonne le savait. Damnation, je crois que nous sommes fait avoir. Y'a pas à dire, le côté sombre et torturé, c'est quand même la super classe. Non, c'est un sous-caquette en puissance ce mec là. Bon, on le rattrape, on peut pas le laisser tout seul quand même. Oh, ma première guérison du jeu. Wouhou. Je peux amendrer des douches, je dois aller. Mais bon, pas grave. Bon, ça a pas l'air d'être par là. Bon, on va aller voir l'autre con. Bolero! Ouais, j'aurais dû me fier sur Ben, celui roublard a plus d'un tour dans son sac.
On fait quoi? On fonce dans le tas. T'en as beaucoup des questions idiotes comme ça? Bah pourquoi t'es gris comme ça? Faut pas, c'est pas bon pour. C'est pas bon pour ton teint. Bon, Raichu, je te laisse te charger de Pekipan. Moi, j'ai invoqué mon petit Pokémon. Ah ok, coup critique. Je dis mais putain, mais il fait mal ce con. Je m'en fous, j'attaque sur le spé. Tu peux augmenter ta défense en tant que tu le veux, je m'en fous. Étant donné que Raichu va attaquer en premier. Toujours pas une nouvelle technique de type fée? J'ai la flemme de lire les gars. Pouf. Oh là là, les dossiers. Bah ouais, je suis encore là, mais je vais pas tarder. Ok, elle soigne nos Pokémon. Ok, d'accord. Ouais, gentil, je dirais pas ça, au vu des sourires qu'elle faisait, ça a l'air d'être dur de... Dans l'usinage. Tiens, salut, t'arrives à la fin. T'arrives à la fin du live, c'est malheureux. C'est dommage pour toi, Rita, mais t'arrives juste à la fin. Désolé pour toi, Rita. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé. Pour la suite de Pokémon, ça sera demain vers les 21h, 21h30. Donc je vous souhaite bonne nuit et à la prochaine. Salut, salut.